Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à travers cette vidéo à comment gérer vos stocks. Dans une vidéo que j'ai postée il y a maintenant 2 mois, 3 mois, je vous avais montré mes petits stocks de nourriture. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les gérer. Premièrement, qu'il faut être bien au début, pour vous simplifier la chose, faire un inventaire de ce que vous stockez. Faire un inventaire, vous allez avoir dans les différents teams, genre conserve, pâte, gâteau, riz, le nombre de quantités que vous avez par exemple 15 boîtes de ravioli, 15 boîtes de cassoulet, mais aussi, important, noter la DLC, puisque ça va être un élément très important, puisque vous allez pouvoir stocker plein de choses, mais la nourriture, ça sera dommage de devoir jeter quelque quantité qui soit. Donc, bien noter et bien faire le roulement par rapport aux dates de consommation, date limite de consommation. Donc, l'inventaire, c'est une première chose, c'est une bonne idée pour démarrer votre truc. Est-ce qu'une fois qu'on a un certain nombre de réserves, on a vraiment assez beaucoup de stock, est-ce que l'inventaire, on arrivera encore à suivre? Parce que bon, à un moment, je pense qu'il en faudra des pages et des pages. Mais pour démarrer, ça peut être une bonne chose. Dans le deuxième temps, ce qui peut être aussi une facilité, c'est de voir dans les DLC, de faire justement le roulement, puisque je vous donne un exemple, demain je vais faire mes courses, je m'achète 5-6 boîtes de conserve, le mois prochain je rachète plus ou moins les mêmes, on va dire, en un mois il n'y aura pas assez de temps pour que vous allez pouvoir aller plus loin dans la durée. Par exemple, je m'achète une boîte de conserve, 2021, le mois prochain, je pense pas qu'on sera déjà en 2022 sur la DLC. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est une fois que vous avez acheté 4 sachets de pâtes, le mois prochain, vous allez acheter 4-5 paquets de riz, par exemple. Ensuite, vous allez réacheter des conserves. Faites un roulement pour à chaque fois éloigner la durée de consommation. Et ensuite, à travers ça, vous allez aussi devoir faire un roulement. Bon, manger un petit peu de réserve que vous avez pour justement faire jour du meuf. Ça, c'est ce qui va être énormément important parce que si vous faites vos courses, que vous stockez
D'accord, mais vos réserves pour la rupture sur la crise, et que d'un autre côté, vous dites, bon, ce placard-là, c'est pour la vie de tous les jours, vous allez tourner dans la vie de tous les jours, mais votre stock, votre réserve ne va pas bouger. Ce qui va poser un problème, c'est si au bout d'un moment, vous allez ouvrir votre truc, votre placard ou n'importe, ou voir regarder votre inventaire, oula, j'ai 15 boîtes qui se finissent en 2020. On est décembre 2019, je vais pas vouloir, je ne vais pas jeter toutes ces boîtes-là, mais je vais devoir les manger rapidement. Donc, de faire un roulement, que ce soit entre vos réserves et la partie quotidienne, il faut faire un roulement. Prendre un exemple, la réserve que vous avez chez vous, c'est un petit peu votre super-être personnel. Quand vous avez plus, vous pouvez aussi prendre un petit peu. Alors forcément, vous n'allez pas piquer à chaque fois dedans. Mais faites un roulement et ça va être énormément important. Et aussi, quand vous allez préparer votre stock, pensez bien à mettre toutes les premières dates des DLC. On est en 2019. Mais mes premières boîtes 2020. Et derrière, ou en haut, ou en bas, ça dépend comment vous voulez gérer votre réserve. Mettez bien les vieux devant et les nouveaux derrière. Quand vous faites vos courses, pour la réserve par exemple, ne mettez pas les dernières conserves devant les vieilles. Vous allez vous retrouver à manger les boîtes de conserve qui peuvent aller jusqu'à 2025 par exemple. Et derrière, vous avez une boîte qui dans 2 mois se périme. Donc c'est bien cette chose-là d'avoir les boîtes de conserve, les vieilles boîtes de conserve devant et les nouvelles derrière. Moi j'ai fait un système de vieux en bas et nouveau en haut. Peut-être l'inverse serait mieux, mais j'ai un placard, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai un placard qui est sur 2 étages comme ça. Donc, je me démerde comme je peux. Ça va varier d'une personne à l'autre. On n'aura pas forcément la même place. Même agencement d'une maison, d'un appartement, on ne va pas avoir le même agencement de stockage. Donc, ça va être très spécifique d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, le plus important, c'est vraiment de varier. De faire un roulement dans l'achat pour la réserve, donc pas vous retrouver avec 15 boîtes du même truc et une ou deux boîtes de machin. Donc faites ce roulement pour essayer aussi d'éloigner à chaque fois la date de consommation et faites gaffe à avoir vraiment les vieilles boîtes devant et les boîtes derrière. Alors là, j'ai essentiellement parlé de boîtes, mais ça marche avec tout. Donc voilà. Après, effectivement, les boîtes de conserve, tout ça, c'est pas forcément les bonnes choses. Bonne de la super bouffe, mais en cas de crise, en cas où si vous ne pouvez pas vous déplacer, où les magasins seront vides, tout ça, bon, il y aura sûrement à se contenter toujours du peu. Mais en tout cas, vaut mieux avoir ça, de la malbouffe, on va dire, que plutôt de dire j'ai faim, j'aimerais bien manger, mais les placards sont vides. Gérer ses stocks, c'est aussi important que d'en faire la nourriture. Ça va être sacré dans le sens où, au bout d'un moment, si vous faites mal les choses, ben vous allez vous planter vous-même. Donc, on sait bien la limite de consommation et de renouveler toujours de faire ce roulement-là. Bon, voilà, je pense avoir tout dit sur comment gérer son stock. Ben, je vous dis bonne préparation. Et nouvelle devise pour cette chaîne, vous avez souvent, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas aussi à me laisser des pouces bleus et à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous pensez des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus. Et moi je vous dis bonne préparation, ciao les amis, à bientôt, ciao!